Yeeha, mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, ici Unicornis aujourd'hui. On se retrouve sur Star Stable 9 pour la mise à jour du 15 mai 2024. Et cette mise à jour, c'est le retour du Ranch Western, enfin du camp Western, bref du festival au Ranch Starshine. Et la sortie du American Saddle Breed, cheval de selle américain ou un truc dans le genre. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent au Ranch Starshine cette semaine. Et pour ceux qui auraient raté la vidéo de la semaine dernière... Oui, c'est normal que cette vidéo sorte super tard ou même un jour après. Là, je suis en train de tourner la vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je vais la sortir. Mais c'est normal, j'ai repris le travail, je rentre de chez moi à 19h. Je peux pas faire des miracles. Voilà, le temps de tourner, le temps de faire le montage, de faire la miniature, tout ça prend son petit temps. D'ailleurs, pour cette raison, je vais pas acheter le cheval dans cette vidéo. Je vais aller le voir, je vais vous donner un petit peu des détails sur le niveau, le prix, etc. Mais je vais pas l'acheter, parce que je veux vraiment dédier une vidéo dans laquelle je prends mon temps pour l'acheter. Et du temps, j'en ai pas ce soir. Mais je suis censée masquer les gens, pourquoi ça m'affiche tout le monde dans cette carrière? D'ailleurs, je rame à mort, hein, je le sens, il y a encore une fois beaucoup de monde au Ranch Starshine. Mais oui, du coup, le camp Western, ça va me prendre déjà pas mal de temps pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette activité, parce que ça ne fait que la deuxième année où cette activité est en jeu, donc bien évidemment, j'ai des choses à vous expliquer. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire sur Star Stable Online, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation en description. En passant par ce lien, vous obtenez différents avantages pour commencer votre partie et vous soutenez financièrement cette chaîne YouTube. Merci d'avance et bon visionnage! Et du coup, on est parti, on va voir toutes les nouvelles activités. Bon, je suppose que c'est... J'allais dire Josh, mais pas du tout, c'est Lisa qui nous accueille. Ravie de te voir ici, Lara. Bienvenue au Ranch Starshine. En vrai, blablabla. Oui, vous avez organisé des choses, c'est parfait. Montrez-moi le tableau des tâches. Montre-moi qu'est-ce que je dois explorer. Ah, mais c'est les boutiques, ça. On ira les voir après. Là, c'est les choix à vendre, non? Non, c'est le tableau de tâches. Ah, le tableau de tâches, il est là. Parfait. La piste de danse. Le veto, je crois, qui est ici. Ouais, c'est ça. Le taureau. Très bien, il va m'expliquer comment utiliser le répulsif. Et je vais vous réexpliquer après comment utiliser le répulsif. Attendez. Je vais passer dans le caca. Oh, mais il marche pas, le caca. Le caca, il est cassé. Ah si, c'est bon. C'est bon, il a marché. Normalement, là, il est pas censé m'attaquer. Si, il m'attaque malgré le répulsif. Oh, l'arnaque. Oh, c'est pas grave, je m'enfuis. Ah non, j'ai pas réussi quand même. Voilà, il me donne le répulsif. Il me donne le petit tuto avec. Oups. Ah, j'arrive pas à passer. Ça va faire pchit quand il va m'attaquer. Voilà. Ouais, bah j'ai quand même pas réussi à prendre le chapeau parce qu'il fallait que je clique dessus. Ça, c'est tuto numéro 2 pour récupérer de l'or, je crois, et aller voir Gary. Il a peut-être des choses à m'échanger. Ah, je suis même plus obligée de descendre. Quoique, je crois que je n'étais déjà pas obligée de descendre l'année dernière. Parce que c'est vrai qu'avec les bêtes sauvages, pas très pratique de devoir monter et descendre. Mais j'aime trop l'activité de récupération d'or. Et très satisfaisant le ding-ding-ding-ding-ding quand on ramasse. J'aime bien. Ça, c'est fait. Du coup, je vous disais, oui, on peut échanger les jetons, enfin l'or contre des jetons. Donc ça, c'est plutôt pratique pour récupérer rapidement des jetons. Là, on peut échanger de l'or contre des clés qui vont servir pour des coffres. Je vais vous expliquer aussi. Du coup, contre les fameux répulsifs, mais aussi contre les leurres qui vont servir pour des chevaux. Je vais vous expliquer aussi. Cataclope, cataclope, cataclope. Ok, donc... Ok, je fais bouger ce mouton. Et les chevaux, va falloir que je les appâte, je pense, avec de la bouffe. Hein. Donc, oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Oh, il est beau, le American Saddle Breed. J'ai hâte d'en acheter un. Je le trouve stylé, la vue de loin. En tout cas, vu avec les autres joueurs, il me donne envie. Et dernier truc, du coup... Les... Coffre de renégat. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, parce que pour le coup il y est et il va me manger. Donc dépêche-toi Josh, s'il te plaît. On dirait que ces renégats ne sont pas dans le coin, mais ce loup risque de poser problème. Mais j'aimerais bien avoir la tête du loup. J'ai l'impression, le modèle 3D a pas bougé, mais leur couleur, oui. Grrr, grrr, agre, agre. Si je m'arrête là, oup, il me voit plus. Ah, oh, mais il y en a un autre, c'est pas grave, fais pchit pchit. J'ai du pchit pchit, voilà. Il est temps de rentrer au ranch. Certes, je te laisse rentrer, j'ai vu qu'il y avait une quête là-bas que je vais aller voir. Je pense que c'est la quête avec les méchants. Enfin, avec les renégats, du coup, moi. Et je pourrais peut-être gagner un bandana cette année. Enfin, un nouveau. Je vais aller voir. Hop là, bonjour. Oui, bon, blablabla, la même chose que l'année dernière.
Ah, pourquoi tu m'as téléporté? Je t'ai rien demandé, Josh. Oh super, j'ai tout fait bugger, je suis coincée dans l'autre cinématique. Ah, mais attendez, Josh, il est là, mais il est là-bas aussi. Bon, bah c'est pas grave. On va déjà aller voir les méchants, puis après on retourne voir Josh. On refait pas la même connerie deux fois, quand même. S'il vous plaît. Bon, bah je sais pas ce qu'il va m'offrir. Tant que j'ai pas ouvert 40 coffres. On verra bien. On verra bien le moment venu. Ah, mais il y a des loups ici, je suis un peu bête. Ah, j'ai plus de pchit-pchit. Ah si, j'ai récupéré de pchit-pchit, mais vas-y, flemme. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de buissons comme ça cachés un peu partout. J'aime bien le fait de pouvoir me cacher dans un buisson. Allez, rentre à la maison. Pendant que je récupère un peu d'or. Est-ce que l'or se revend? Est-ce que ça a une quelconque valeur marchande? Ah ouais! Ça se revend un shilling? Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien, on va pouvoir acheter des tenues du festival avec l'or. Oh, trop bien. Parce que je crois que l'année dernière, fallait séparer l'or pour pouvoir la vendre. C'est bien, on a fait les tutoriels. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu le bordel dans mon inventaire. Mais en gros, on a des répulsifs, on a des leurres et on a des clés. Les répulsifs, leurres et clés peuvent des fois s'obtenir dans des coffres. Mais si vous en avez pas, vous pouvez en acheter ici en échange d'or. Et c'est ce que je vais commencer par faire du coup. J'ai combien d'or? Pas beaucoup, j'ai pas assez pour une clé, très bien. Il m'en faut 5 en plus. Parce que oui, tous les jours, il y a 5 coffres à trouver. Il y a 4 chevaux à ramener et c'est tout, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal comme activité. Bien évidemment, il faudra aussi récupérer de l'or à droite à gauche sur la carte et on va pouvoir faire aussi les activités quotidiennes sur le tableau des activités et je vais aller voir ça tout de suite avec vous et on va les faire. Je vais pas chercher les coffres et les chevaux avec vous parce que j'ai pas le temps ce soir. Mais si jamais, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, on a un salon d'entraide justement où vous pouvez demander aux autres ou alors partager si vous les avez trouvés. Alors, tondre les moutons, attention ça glisse, et récupérer le colis. Donc, le colis c'est là-bas, le mouton, il me faut un objet pour tondre le mouton je crois. Où est-ce que je vais trouver ça? La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tendons. La laine des moutons, tendons, tendons. La laine des moutons. Où elle est la pelle? J'ai besoin d'une pelle. Pour ceux qui cherchent la pelle, elle est là. Dans le caca. Il y a un taureau moyennement sympa là. Si on pouvait l'éviter. Ah ok, je tombe comme ça, ok. Oup, oup, oup. Non mais fais pas ton animation spéciale là, c'est pas le moment. Ok donc vous faites pas avoir comme moi parce que le problème c'est quand vous lancez votre animation spéciale, vous êtes bloqué. Il n'y a plus du tout moyen de l'interrompre même avec le mode photo. Hop là, le colissimo et on rentre. Livraison express. Donc ça c'est bon. Il m'en reste une je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah non, elles sont toutes terminées. Du coup j'ai gagné quoi? J'ai gagné 2 répulsifs et des jetons. Ok c'est bien. C'est bien des jetons. Bon là du coup vous vous demandez, ok très bien Laura, je gagne des jetons en faisant les activités du jour, je gagne des jetons dans les coffres, en ramenant les chevaux, en échangeant contre de l'or, mais qu'est-ce que j'en fais de ces jetons? Très bonne question. Alors, je crois que c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Bah, je pense que c'est la boutique de jetons du camp Western, comme son nom l'indique. Oh, c'est trop beau! Oh, j'adore vraiment les tenues pêche comme ça. Oh, j'adore! Waouh, trop beau. Oh là là. Oh, cette veste en rose avec les roses. Cette veste rose rose. Un délice, j'adore. Par contre, il n'y a qu'une seule nouvelle tenue cette année. Bon, en tout cas, ça laisse le temps de récupérer les 4 tenues de l'année dernière à ceux qui les avaient pas encore. Et surtout, le festival n'est là que pendant 3 semaines cette année, donc tant mieux qu'ils aient mis qu'une tenue. Après, il y en aura peut-être une autre d'ici la fin du festival, qui sait. Mais si je peux collecter mon or pour plutôt revendre des trucs et acheter une tenue... Bah non, il n'y a pas de nouvelle tenue ici. Pourtant, ils ont dit qu'il y avait des nouvelles tenues avec les Tennessee, mais c'est peut-être des tenues permanentes. Ouais, c'est ça, elles sont ici. Donc, des nouvelles selles. Très jolie du coup avec du métal un peu sur la selle, des nouvelles brides western, des nouveaux tapis et surtout ce que j'adore par-dessus tout, des nouvelles tenues pour notre cavalière, genre des chapeaux avec des strass. Voilà, vous le voyez pas parce que je zoome pas trop dessus, mais il y a aussi des gants avec des strass,
des vestes avec des strass, des bottes avec des strass, en fait des strass partout, et c'est trop mignon. En fait, je crois que c'est des tenues inspirées du western pleasure, je sais pas comment ça se prononce. Mais il y a peut-être moyen que je veuille mettre un peu des paillettes dans ma vie, voilà. J'aime plutôt bien. Donc il y a moyen que je fasse un petit shopping de ce côté-là aussi et que j'échange pas uniquement contre des jetons. Donc concernant les Tennessee Walker, apparemment il a une queue très longue. À ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît. On va aller voir les coloris. Bon, du coup les animations et les coiffures ce sera pas pour aujourd'hui. Mais permettez-moi d'aller voir les coloris. Il y en a un noir avec 4 balzanes. Il y en a un pie. Il est alezan brûlé, crin lavé je dirais. Et magnifique, il a les yeux bleus, il a des petites taches, il a une grosse liste, j'aime bien. Il y a un palomino, très joli aussi. Il y a un bébrun, oui c'est ça, on dirait bébrun, avec des pommelures. Une jolie liste, des toutes petites balzanes. Il y a un gris pommelé, très beau aussi, mais je pense pas que je vais le prendre. Il y a un pie, qui est très beau aussi, qui a les yeux verrons du coup. Voilà, un petit peu d'originalité quand même, il a un très beau pattern de pie. Et je pense que ça va être mon coup de cœur celui-là, c'est un Buxin, donc c'est un Isabelle, mais un peu clair, je crois que ça s'appelle du Buttermilk ou quelque chose comme ça. Il y avait déjà un Mustang en génération 2 sur un Isabelle très clair comme ça, et je l'avais trouvé très joli, et j'aimerais bien prendre du coup celui-là. Du coup, restriction de niveau 8, en vrai si on peut aller voir les crinières, je dis des bêtises, c'est vrai que depuis cette interface on peut aller voir. Donc on peut lui dégager la tétière, on peut... dégager encore plus la tétière. Ça change quoi? Ah bah c'est le toupet, on peut raser le toupet. On peut lui faire une queue Barbie. On peut avoir la queue Barbie rasée toupet. Crinière en brosse, crinière rasée, tresse. Oh trop mignonne la tresse. Pion, coupe Mireille Mathieu. Ouais ok, il y a un giga choix. Et du coup pourquoi le passage de tétière autant rasé et la queue aussi longue? Tout simplement parce que c'est des chevaux qui font des concours de beauté et bah, c'est jugé comme beau, voilà. En tout cas, c'est un peu le truc de la race, quoi. Donc, ils sont au prix de 900 Star Coin. Ça va, je sais pas s'ils ont une animation spéciale. C'est vrai que j'avais dit que j'allais pas me spoil, mais au final, je suis curieuse quand même, je jette un œil. Mais bon, je ferai un aperçu plus détaillé quand je l'achèterai, parce que là, par exemple, son épaule, elle me chagrine un peu, là. Très carré et très... s'y porter des épaulettes. Et du coup, on a le galop rapide et il y a encore une autre... Ah ! C'est pas son allure spéciale. C'est comme pour l'Islandais, c'est le galop moyen qui a été remplacé et ça, du coup, c'est aussi une allure spéciale. Ouais, du coup, en fait, on a deux allures spéciales pour 900 Star Coin. Bonne affaire, je dis. Ce que je trouve bien aussi, c'est que Star Stable n'a pas trop exagéré les animations. Parce que malheureusement, c'est une race de chevaux qui souffre de beaucoup de maltraitance parce que qui dit concours de beauté... concours d'allure, etc. dit malheureusement beaucoup d'abus de la part des humains pour toujours pousser le bouchon plus loin. Donc ça va. Star Stable est resté sur des choses plutôt naturelles. Ça reste quand même un cheval qui a des allures. C'est comme l'Islandais, dans la nature aussi, il va faire du tölt. Et bah c'est pareil pour le American Saddlebred. Breed. Dans la nature, il va aussi faire ce genre d'allure, mais du coup de manière beaucoup moins exagérée qu'en pestacle. Mais bref, l'achat c'est pas pour aujourd'hui, même si en vrai je suis tentée, hein, mais je vais encore réfléchir un petit peu auquel je vais prendre, parce que c'est vrai que c'est mon coup de cœur, mais peut-être j'en prendrai deux, qui sait. Mais je sais pas quand je ferai la vidéo achat, probablement ce week-end, mais ça sortira peut-être pas ce week-end, I don't know. Je suis pas encore très organisée pour l'instant. En tout cas, la semaine prochaine, il y a encore des choses qui se passent au Ranch Starshine, avec des compagnons perdus, donc je suppose qu'on va pouvoir récupérer des compagnons gratuits, donc ça fait plaisir. Et la semaine d'après, ce sera du coup déjà la dernière semaine du festival, n'hésitez pas à aller voir la roadmap que j'ai sortie si vous l'avez pas encore vue et que vous vous demandiez c'est quoi les mises à jour à venir. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour du camp western, en tout cas j'espère que j'ai rien oublié. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et gros bisous à de prochaines aventures. Mouah.